quelle année? Prends le micro. Parle bien fort dans le micro. 8 ans, je crois. 8 ans, tu viens aux étangs, avec ton ami Jérémy, qu'on voit plus beaucoup, mais il fait beaucoup d'avions. Voilà, c'est ça. Il fait une belle passion sur l'avion maintenant. Et toi, tu es venu, je me rappelle, au début, tu venais avec une corvette. Je venais sans rien. Sans rien. Voilà, et après la corvette. Et la corvette. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, tu as ça, une Dodge. Voilà, une Dodge, ouais. Alors, c'est quoi comme modèle? Ah, c'est un peu moins connu, c'est une Dodge Coronet de 67, celle-ci. Alors, chez Dodge, les Coronets, c'est des voitures milieu de gamme, on va dire. En dessous de la Dodge Charger. Voilà. En dessous de la Dodge Charger. Et là, on va faire un coupé. Voilà, un coupé. Un coupé de 3 portes. Quoi. Mais, sous le capot, quand même, apparemment, c'est une version sportive. Voilà, c'est ça. On a sur la calandre le signe RT. Voilà. Ça veut dire quoi pour les gens qui sont là, RT? Alors, ça veut dire One on Break, c'était fait pour la route ou la course, en fait. Ouais. Voilà. Pour la course. Ouais, c'était fait pour la course, quoi, pas comme aux États-Unis. Et, voilà. Voilà, la course tout le temps. Voilà. Le NASCAR. Le NASCAR. Le NASCAR aux États-Unis, qui est très populaire et qui devient d'ailleurs de plus en plus en France aussi. Hein. Le NASCAR. Donc cette voiture-là, elle est dans son état d'origine? Elle est d'origine, ouais. Les gens, c'est d'origine? C'est d'origine. Même sur le capot, c'est une grosse prise là. Ouais. On pourrait croire rajouter, c'est d'origine. C'est d'origine, on pense qu'il y a une version avec un capot en fibre ou c'est un petit fruit sur le capot. D'accord. On reviendra sur le moteur tout à l'heure. On va détailler l'aspect esthétique. Alors la voiture, c'est une américaine des années 67. La bonne période encore pour une américaine. Avant le début des années 70. Voilà. On va couper les ailes des muscles cars. Des muscles cars. Voilà. On est encore dans la bonne période. Les bonnes américaines de l'époque. L'intérieur, alors j'ai des longues, et encore pas tant que ça. C'est pas. Pour les Américains, c'est compact. Hein. Pour nous, les Européens, c'est une grosse voiture. Mais donc on a un intérieur vraiment dans le style d'époque, c'est-à-dire le simili, métallisé, ce côté brillant, métal du simili. Voilà. Très en vogue dans le milieu des années 60. Ouais. Ce simili-cuir qui est vraiment brillant, métallisé, moi je trouve ça métallisé, et qui est assorti au reste de la voiture. Je ne sais pas si on peut ouvrir l'autre côté pour que les gens du côté puissent voir. Attends, je vais ouvrir, que les gens puissent voir l'intérieur de la voiture. Voilà. Donc elle est pas énorme. C'est quand même une 5 places. 6 places peut-être. Non, 4 places sur la carte grise. 4 places sur la carte grise. Ouais, je suis désolé. Hein. Soit les Américains ils sont plus gros que nous, soit. Parce que là, on peut se mettre 3 à l'avant. 3 à l'avant et 3 à l'avant. On a encore le accoudoir du truc qui se relève. Et l'accoudoir. Tu peux le mettre à l'intérieur si tu permets. Ça change les sportifs. Alors là, on a. Merci, c'est gentil à toi. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Donc là, on est vraiment dans l'américaine des années 60. Rappelez-vous les années 60. C'était le bon temps quand même. Et on a une voiture avec de l'espace. On pourrait mettre quelqu'un au milieu. Oui, parce que l'accoudoir se relève. L'accoudoir se relève, on peut mettre quelqu'un de petite taille. Vous voyez, on peut se tenir à deux. Pourvu que ce ne soit pas la belle-mère qui prend toute la place. Voilà. On peut se mettre à deux ici. Et derrière, on peut même se mettre à trois. Donc c'est vrai que quatre places, c'est un peu le grand volant. D'époque, avec une direction assistée, je non. suppose. Pas de direction assistée. Non. Pourquoi? Parce que c'est une sportive? Non, enfin tout ça c'était des options. Enfin, des directions assistées, ouais. Bah ici j'ai pas de. J'ai pas de vitre électrique. Pas de vitre électrique sur l'américaine. C'est rare. Franchement, c'est vrai qu'il y a des manivelles. Ouais. Là je suis surpris. Pas de vitre donc électrique. Pas de direction assistée. Non. On a quand même une boîte automatique. Une boîte automatique pour volant. Il existait aussi la version avec la console centrale au milieu. Ici, ouais. En option. Ouais. Console centrale, ça irait bien. Voilà. Ouais, mais enfin, en même temps, ça permet de garder la grandeur de la voiture. Ouais. Voilà. Boîte automatique à trois rapports. Trois rapports. Trois rapports, ce que je vois. C'est pas mal. Et pas mal. Et franchement, la voiture est très très belle. J'adore moi ça. Le siège de toit noir. Et franchement, ouais, j'aime bien. Alors bien sûr, on est dans la période des tableaux de bord qui s'allongent, qui deviennent rectangulaires.
On aime ou on aime pas, moi j'aime bien. Typiquement voilà. Mopar, bon, tout en plastique véritable, on va dire voilà. Ça. Hein. Mais on est bien, c'est confortable les sièges. Hein. C'est confortable. Faire de la route, je pense que c'est un plaisir. C'est agréable. On va détailler le moteur maintenant. Je vais reprendre mon parapluie, je vais le débarrasser. Voilà. Alors c'est un V8 bien sûr. Alors je vois sur le côté un 428. Mais en fait, ouais, regardez. Mais quand je l'ai acheté, ça pourrait être enlevé parce que c'est pas un 426. C'est pas un 426, non. Enfin, donc le moteur n'est pas d'origine. Si. Ah, en France, il y avait des versions 426 semi et en France, il a dû mettre ça pour le fun. Ah, d'accord. C'est un apport des États-Unis, donc ça avait dû être acheté aux États-Unis. On n'a pas parlé de la voiture. Tu l'as acheté aux États-Unis l'année dernière, oui. D'accord. C'est compliqué d'acheter aux États-Unis? Non. C'est pas compliqué. C'est plus compliqué maintenant? Oui, il suffit d'avoir le carton bleu. Ouais, voilà. Mastercard, ouais, et voilà. C'est bon. Il y a des bons importateurs. Ok. Ce que tu dis, fais attention quand même. Hein. Il y en a encore qui se font rouler. Ouais, ouais, il ne faut pas passer par n'importe qui. C'est bouche à oreille. C'est bouche à oreille, voilà. Voilà, il faut se renseigner. Il faut avoir des bons rabatteurs sur place ou des bons vendeurs sur place. C'est ça. Voilà. Je vais laisser ouvrir le capot. Laurence, t'es par là? Les autres se préparent. Hein. Il y a une Opel, il y a une BM. Ouais, ça chauffe. C'est génial. Ok, il y a une BM après. Non. Ça voit plus. Ah ouais. Et il y a l'Opel. Elle est partie l'Opel. Bon. On a deux roues. Bon. Le camion. D'accord. Entre les deux, c'est après monsieur. Ce d'époque. Voilà. Donc cette voiture, tu l'as apportée il y a un an, à peu près ? Il y a un an, là, tout de suite. D'accord. Donc on revient en moteur, un 426. Non, 440. Un 440, je vais y arriver. 440, ça fait combien de chevaux, justement ? 375. 375 chevaux. Pour un poids, elle n'est pas légère. Ça va, 1,5 tonne. Ah, 1,5 tonne. Ouais. Pour une américaine, c'est pas... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'artifice, donc électrique. Non. Il n'y a pas grand chose en temps. Il n'y a pas grand chose. C'est une voiture relativement, on va dire, relativement légère. Voilà. Alors, t'as acheté ça, toi aussi, un coup de cœur, ou c'est vraiment ce modèle-là que tu voulais? Non, c'est pareil. Que... c'était. Parfois, des fois, on. Enfin voilà, peut-être que plus tard, je la vendrai et je rachèterai vraiment ce que je voulais, mais. C'est quoi que tu voulais? Ah, moi je voulais une Camaro RS de 69. Ah ouais, c'est bien précis. Il est plus belle pour moi, les premières séries des Camaro. Donc et du coup bah c'est pareil, le problème c'est que bah, c'est toujours pareil, le même problème. Et c'est vrai que après les véhicules d'origine en France ça devient compliqué à trouver ou autrement pour aligner beaucoup d'argent. Plus on avance dans le temps, tu sais que plus les véhicules d'origine, plus ils sont anciens, plus c'est difficile à trouver. Et les Américains commencent à tout garder pour eux aussi parce que ils nous ramènent un peu, bah, les Français on est pas. On fait attention au porte-monnaie souvent les Français et puis. Pourquoi il y a eu beaucoup d'Américains d'arriver en Europe et en France notamment. C'est bon. Mais celle-ci t'as fait un bon choix parce que j'adore le look de cette voiture. Il n'y en a pas beaucoup et puis en même temps, il y a plus de gros moteurs dedans et elle est d'origine, elle est 7. D'accord, ok. Et 440, c'est avec quel cylindre ? 7 litres 2. Ah oui, on n'a pas mal d'acier. 7 litres 2. Ouais. Ça fait gros, hein. Ah oui, c'est des gros moteurs. Hein. Je comprends la musique. Hein. Voilà. 7 litres 2. Ah oui, ça consomme aussi. Mais bon, quand on achète ce genre de voiture, c'est pas pour rouler tous les jours. Après, c'est vrai qu'on dit que ça consomme beaucoup, mais c'est vrai que des fois, quand. Ouais. Comment ? 25 à 30 litres au 100. Bah, si on compare par rapport à une française ou enfin je vois des Ford Tonus, parce que je ne m'arrête pas à cette voiture là, on est toujours en gros à 12 litres au 100 à peu près sur des Tonus ou des, enfin, des petites populaires. Et là au 100, vraiment au 100 sur le long trajet on est à 18 litres. Donc au final proportionnellement une Tonus avec 75 chevaux, ouais, c'est pas le moteur. Donc c'est comparable. C'est, ça consomme pas trop. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'essence était beaucoup moins chère. Voilà. Voilà. Donc le moteur est dans son jus. Ouais, voilà. Je pense que la voiture, tu l'as eu comme ça, t'as rien fait dessus. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Pour l'instant, ça veut dire quoi? Tu vas faire quelque chose? Oui. C'est quoi ton projet? Bah, elle va être entièrement refaite. Entièrement? Entièrement. Carrosserie, moteur? Entièrement, ouais. Et d'origine ou pas d'origine? D'origine, mais il y a juste des choses, parce qu'enfin, c'est pareil, en ce moment, elle est équipée de 4 freins à tambour. Ah ouais, alors du frein à tambour. C'était des options aussi à l'époque. Ouais. Tout était en option, donc 4 freins à tambour à arrêter, c'est compliqué. Donc il y avait des freins à disque à l'avant. Et à l'arrière aussi, c'est possible. Ouais. Sur le pont. Ouais. D'accord. Freins à disque, et puis après, c'est pareil.
améliorer au niveau de, bah, des barstalles, parce que là c'est pareil, au niveau, bon, ça fait toujours un petit peu le bateau, et puis après... amortisseur plus dur. Amortisseur plus dur. Enfin, au niveau des trains roulants, c'est une américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, hein, c'est pas comme chez nous en France. Hein. C'est que de la ligne droite. C'est que de la ligne droite. Les gens veulent du confort. Donc c'est très très mou. Voilà, c'est mou, mais bon, après, si en route, c'est pas terrible. Quoi. Si on veut exploiter un peu le moteur, voilà. Il faut durcir un peu tout ça. Voilà. On est d'accord. Dommage, elle est belle hein, d'origine. À 80 miles, 60 miles. 70 miles, mais bon, après. 60 km. Voilà, mais bon, ça c'est. On va faire le tour de la voiture. On va s'arrêter sur le coffre parce que moi j'aime bien les côtes américaines. C'est une côte américaine, on peut partir en pliage. On peut mettre madame dans le coffre. Et avec monsieur aussi, juste que vous rentrez. Ils sont impatients de voir les. Ah, j'ai laissé mes quêtes sur la route. J'ai laissé mes quêtes, c'est plus prudent. Ça craint ici. Non, je rigole. L'arrière est sympa, l'arrière j'aime beaucoup avec les feux à moitié cachés. Elle a fait une petite grille, la continuité de l'enjeu univers central. C'est vraiment. Ah ouais, ah bah oui. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? C'est bien allongé, hein? Ouais, c'est sûr. Il y a la moquette, je me serais allongé dedans, mais là il n'y a pas de moquette. Voilà, ça c'est pareil. Voilà. Donc classique chez les Américaines de cette époque-là, la roue de secours, elle est fixée au fond du coffre. Et on a le réservoir, je pense. Le réservoir, quand il est en dessous. Il est en dessous, voilà. Il est en dessous. Ouais, ouais, parce que comme je vois la roue de secours, je me demandais où est le réservoir. Alors souvent nous. Ah, le remplissage est là. Voilà, ça c'est le cric. Ouais. Et le remplissage, voilà. Voilà, le remplissage est là. Le cric est impressionnant. Il va faire 1 mètre de long. Ouais, ouais. Et là, ce bossage, c'est juste pour le pont. Hein, voilà. C'est le pont qui c'est le pont. Le réservoir doit être juste en dessous. Ici. Voilà. Et après, c'est pareil, c'est un réservoir. Bah, comme on dit, ça doit être une mauvaise conception. Par contre, à l'époque, c'est un réservoir qui fait. Souvent, un réservoir d'américaine, ça fait à peu près 90-100 litres des fois. Ouais. Bah, ça consomme, oui. Voilà. Et là, je crois que je dois avoir un 55 litres. 55 litres? Ouais. Ah, tu vas t'arrêter souvent. 100 km. Bah, ceux qui roulent en moto peuvent comprendre que c'est comme une moto. C'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. C'est une bonne réponse. C'est vrai, quand t'es en moto, t'as pas le choix non plus. Tu t'arrêtes également souvent. Ah, voilà. C'est vrai, c'est étonnant. Ouais. C'est pour ça que je comprenais pas trop, toi, la roue de secours, là. Bah, on voyait pas le réservoir, donc il est assez petit, en fait. À mon avis, ils ont dû commencer à fabriquer la voiture. Ouais. Et ils ont dû se dire, bah oui, mais. Le réservoir, on le met où? Mais on va pas penser au réservoir. Bah, tant pis, on va mettre un petit. Voilà. Ils s'arrêteront plus souvent, c'est pas grave. Voilà, mais bon, après. Après, ça se fait très bien, il n'y a aucun souci. Ok, voilà. Merci à toi. On vient juste faire court parce qu'on a beaucoup de véhicules à passer. Vous pouvez applaudir cette belle Dodge RT de 1967. 67, Laurence, ça nous remet à quelle époque? Pour remettre la voiture dans son contexte d'époque. Il se passe quoi en 67? Allez, je vais demander au plus vieux. En 67, il se passe quoi? Ouais. Et quoi d'autre? Il se passe quoi dans le monde en 67? Voyons, c'est pas très. Personne ne sait. Première crève de cœur. Ah, il y a un cœur qui a des greffes, il paraît. C'est vrai. Ah, c'est Barmerin. Christian Barmerin. Christian Barmerin. Il est notre premier greffe du cœur. Premier chirurgien qui a greffé un cœur. Christian Barmerin, 67. Eh ben, c'est bien. C'est pas ouais. Il est décédé il y a pas longtemps, je crois, le professeur. Non, c'est Thomas Starzl, le premier greffeur de foie qui est décédé en mars. D'accord. Écoutez un peu cette photo, ça m'a fait ça.